Salut. T'as envie de caresse, toi, hein? Je me réveillais au milieu de ce cauchemar. Ma tête était deux fois trop petite pour mon cerveau. Max Payne, t'ennuies d'avoir un nom pareil. Le tueur souriait. Ravi de te rencontrer, Frankie Niagara, dit la batte. Niagara? Comme les chutes? Il avait une batte de baseball et j'étais ficelé à une chaise. Se foutre de lui n'était pas les choses à faire. Ça doit piquer quand même. Il n'y a pas de mal à rigoler de temps en temps. Moi, par exemple, j'adore regarder les dessins animés. En particulier quand ils sont violents. On fait une pause. Faut que j'aille pisser. Et je prendrai peut-être une bière. Mais t'inquiète pas, je reviendrai te finir. Après, on fera le coup. T'as joué. Demi-tour et claqua la porte en sortant, les verrous sautant sous le choc. Tout le monde fait des erreurs. La mienne n'avait pas été de me foutre d'un mec armé d'une batte de baseball et qui m'avait défoncé le crâne sans remords, ni même d'avoir fait confiance à une fille armée. Je m'étais précipité sur le premier type de ma liste de suspects au lieu d'essayer de remonter jusqu'à la tête de la famille Pulcinella. Je ne pouvais pas en vouloir à Mona de s'être fichu de moi. Je ne peux pas avoir à ça. Mais quand on décide de jouer au baseball avec ma tête, ça me met en colère. En colère. Il m'avait traîné au sous-sol de l'hôtel de Lupino. J'étais battu, contusionné, désespéré. Oh, en colère. Comme cette chaise que j'avais brisée pour me libérer. Ouh, qu'il est colère, Max Payne. Qu'est-ce que t'as à tourner autour là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux ma place en fait, c'est ça? Recouverte de mon sang. Sans arme, je ne fais pas le poids face aux hommes de Frankie. Je vais devoir jouer à cache-cache. Ah là là. Je sais même plus où c'est. Je crois que c'est là. Ouais. Hey! Ah! Touche pas! Hey! Ah! Ah! Hey! Ah! 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 Bon bah c'était vite fait, hein, vite expédié. Hein. C'est bien. Hey. La une d'un journal parlait d'un nouveau crime. T'as déjà fait Guitou, Max Payne? Frankie avait laissé sa carte de visite. Dessiné Captain Baseball Bad Boy près du caniveau jonché de cadavres. Tu ferais mieux pas chercher Captain Baseball Bad Boy, même. Non, ça me dit rien. Oh, c'est un vieux jeu des années 2000. 2001, pour être précis. Il y avait tellement de cadavres qu'un meurtre collectif aurait fait pâle figure à côté. 2001. Autant dire que le jeu date, hein. Ouais, c'est d'où on vient.
J'aime bien les dialogues. Moi, si franchement. Bah, moi aussi, j'aime bien. Bon, ça fait un petit peu nanar. Mais en fait, ce qu'il y a bien dans le jeu, c'est que ça te met tout de suite dans l'immersion. Grenade qu'on a évité. Ouais, il est sur Play 4. Genre, jusqu'au mois d'avril, tu peux l'avoir pour 7 balles. Il y a des réductions. Là. Ah 8 euros, franchement, ça va, c'est donné. Alors de base il a 15 euros je crois, 15 euros peut-être un peu trop, mais 8 euros... Ah le bâtard. Il m'a surpris l'enfoiré. Ah petit enfoiré. Pas très gentil de faire ça. Hein. On prend ça. Oh, généreux. Alors toi, mon gars. Incroyable! Incroyable ça! Il a fait le tour, non? Ouais. Bah, c'était bien. J'ai une chaîne YouTube, si tu veux, Guitou, pour les rediffusions de mes lives. Je suis un peu comme Jast, où je fais par épisode. La situation empirait rapidement. Comme ça, si t'as loupé la rediffusion de live, tu vois, sur la chaîne YouTube. Les hommes en bleu étaient venus, puis repartis. Ils avaient fait des dessins à la craie par terre et fermé la zone avec des bandes jaunes. Les flics qui étaient restés derrière étaient morts. Frankie, Sega et moi étions désormais seuls. Ok. Oublie ça. Le truand au téléphone parlait de Mona. Le trio de Punchinello n'apportait jamais de bonnes nouvelles. Il est là. Ouais, je fais quelques platines. Là, peut-être que je vais faire une platine, je pense, de Resident Evil 4 Remake. Une preuve de plus que Punchinello ne m'aimait pas beaucoup. Il y a... Les défis sur le jeu me tentent énormément. Sur les trophées, je parle. Toutes les victimes de Ragnarok étaient des criminels bien connus. Une analyse toxicologique a révélé la présence de V dans leur organisme.
les sources fiables ont annoncé que Max Payne faisait partie des victimes. Son corps n'a pas encore été retrouvé. Des sources fiables. Quelqu'un pensait que j'étais entre les mains de la mafia et ne voulait pas que les flics soient dans les parages. Le corps qui leur serait remis serait méconnaissable. Affaire classée. Don Punchinello avait le pouvoir d'être cette source fiable. Mais ce n'était pas nous. Ces infos datèrent. Monter un coup contre moi ne lui suffisait pas. Don Punchinello avait mis un contrat sur moi, il me voulait mort. C'était assez important pour qu'il donne des informations écrites à Frankie. Payne doit mourir comme un chien pour les ennuis qu'il a causés. Frankie, je compte sur toi pour lui porter toute l'attention qu'il mérite. Ok. Bien. On peut retourner là. Ah bah c'est là de toute façon, ok. Ouais, je suis allé à Noir et il faut que je reprenne. L'hôtel commença à devenir intéressant. Comme il l'avait dit... Frankie prenait une bière. Bon Dieu, comment t'as fait pour te libérer? Pas de soucis, j'en ai eu marre, t'inquiète. T'as de quoi faire là, t'as de quoi faire de toute façon sur la chaîne. Ça me va, Putain, le freeze m'a fait un petit peu peur. Un boss encore, voilà. Terminé mon sort. J'ai pas encore fini la noire. J'ai pas encore fini. Lundi, ce sera du coup R4 pour la découverte. Merci beaucoup. Vous avez un public adorable. On a eu assez. De toute manière, je joue pas avec les filles. Et je pense qu'il faudrait que je fasse du Eleanor à une Uncharted, enfin 2h Eleanor, 2h Uncharted. J'avais repéré en sortant de l'hôtel, une grosse Mercedes noire. J'avais déjà vu ça. Compliqué, hein, de toute façon, mais... Trop de l'esprit d'un coup. Une série impressionnante d'explosion. Vladimir était de retour. Payne, t'es mort, Max Payne. J'aurais pu rire si j'avais encore su comment faire. À quoi on joue, aux gendarmes et aux voleurs? Écoute, si tu me veux quelque chose, vas-y. Relax, mec. Tu sais qu'on te voit dans tous les journaux, armé et dangereux. Je vais te faire une offre que tu ne peux pas refuser. J'ai toujours rêvé de dire ça. C'est un coup monté. Quelqu'un veut me faire porter le chapeau. C'est pas le plus important. Ce que t'as fait ou pas, t'avais sans doute une bonne raison de le faire. Est-ce que tu veux bien m'écouter? Ça va, t'arrives sur un jeu Guitou où la console ne souffle pas. Lundi, pour R4, ce sera autre chose. On va plus entendre, du coup, la console que le jeu. Ça va être bien. Ça va être très, très bien. Le ravage que fait Punchinello avec le V est mauvais pour le business. Mais c'est pas tout. Il y a ce type, Boris Stein. Il travaillait pour moi. C'est le capitaine du cargo Sharon. Maintenant, on entend la VO derrière. Il est avec Punchinello. La cargaison est à moi, du matériel haute résolution et des armes. Si Punchinello met la main dessus, il a gagné. J'ai tout perdu et t'as travaillé pour rien. Putain, on entendait la VO, oh là là. Si tu veux remonter jusqu'à Punchinello, t'auras besoin d'être très persuasif. Je peux t'aider. Remets le bateau sous mon contrôle et une ou deux balles dans la tête de ce trait de time. Tu auras assez d'armes pour déclencher l'apocalypse. T'es avec moi? C'est parti. Vladimir était un de ces truands qui avait un code de l'honneur, ce qui en faisait presque un bon. Ni lui ni moi n'étions des saints. Les quais de Brooklyn étaient un dédale de conteneurs rouillés, de vieux crânes pointus entend la tempête. Une nuit comme celle-là faisait fatalement penser à ces hommes, gisant au fond de l'eau, les chaussures coulées dans le ciment. Aucun minotaure dans ce labyrinthe, mais quelque part sur le pont de ce cargo, le skipper du Charon attendait, comme le batelier dans une écluse. Je suis passé un coup de long, mais pas de soucis du tout, merci, ça m'a fait plaisir, je vous souhaite une bonne soirée. Ah,
qui fait très mal. J'ai plus de vie. La bombe, elle m'a détruit. Nice. Ça, c'est bon, ça. Comment ça fumer là? Là, tout va bien. Ah bah, ça va très bien, mais tout va très bien. Bon, elle est partie, la blonde, là. Je vais arrêter là, moi. Ah. Bon, bah écoutez, les gens, moi, je vous fais des bisous. On se donne rendez-vous, du coup, lundi pour, normalement, la suite. Non, pas la suite. La découverte de Resident Evil 4.
Des bisous et à lundi.